étoiles, il avait demandé. À chaque fois, je le mets sur des jeux de culture G. Là, je me suis dit, je vais lui faire plaisir. On va se ressortir un bon Radstar. Radstar, t'es au courant de ce que c'est ou pas? Oui. J'ai eu la même réaction. Tu es là de ton propre gré, Jonathan. J'avoue, c'est une IA qui vous parle. C'est bien j'ai mis ça en place. Je vais t'expliquer, Mathieu. On va faire. Ouais. Pour ça, je vais avoir besoin de deux équipes. Parce que c'est pas un Radstar classique, c'est un Radstar Ultimate ce soir. Petit jingle. Gigi, tu peux venir ici. Ok. Les amis, c'est un Radstar Ultimate ce soir, vous connaissez. Donc très simple, on va commencer avec une première manche. On est en 2v2, donc team Jiraya, Jonathan Cohen contre team Trixie et Rayou. Vous allez donc chacun votre tour avoir une minute. Okay. Il va y avoir des visages qui vont défiler en face de vous. Ouais. Exactement, dans l'écran en face. Et vous allez jouer chacun votre tour. Okay, donc par exemple, vous allez avoir, je sais pas, je dis une bêtise. Domingo, Michael Jackson. Michael Jackson, c'est à toi, Jonathan Cohen. Boum, tu dis Michael Jackson. Tac, le prochain visage, c'est à toi, Gigi. Ok, je donne le visage. Quoi qu'il arrive, que vous ayez la bonne réponse, que vous passiez ou que vous ayez la mauvaise réponse, c'est à l'autre après de jouer. D'accord, c'est 1-1. C'est un ping-pong. Qu'on se trompe ou pas. Plus vous arrivez à aller vite, plus potentiellement vous allez pouvoir en dire chaque. Visage validé, c'est un magnifique. Bon point. C'est en trois phases. Je pense qu'on a la meilleure équipe. Mais je pense qu'on est une très bonne équipe. On va commencer. Oui, Rayou. Vous prenez la main ou vous laissez la main? Moi, je pense qu'en vrai, ils ont l'air d'être un peu inquiets. Nous, on prend la main. Oh, c'est magnifique. Bien. Oh, je pensais qu'il allait laisser, tu vois. Vous prenez la main, peut-être le bon coup. On l'avait compris. Donc, quand Étoile a dit que ce soit bon, il peut passer. Si tu passes, derrière, c'est à toi, Trixie, de dire à chaque fois qu'il y a un nouveau visage. Et vous pouvez pas répondre à la place de l'autre. Bien évidemment. En régie, on est tout bon, monsieur Clément, si jamais mon. Tu peux, est-ce qu'on pourrait entendre ta voix? Oui. Merci. On a une voix. Voilà. Si j'ai le micro. Super. Ah, nickel. J'aime beaucoup. Nous sommes prêts. Bah écoutez, allez, c'est parti. Une minute. Vous avez compris, on commence par Rayou ou par Trixie? Commence. Honneur aux hommes. Pas de soucis. 3, 2, 1, c'est parti pour une minute. C'est Leila Bekti. Boum, Trixie. Jean-Luc Reichmann. Super. Tac, Étoile. C'est Lionel Messi. On enchaîne, ça va vite. Passe. Ça passe. Et toi, à nouveau? C'est Julien Doré. Oui, on l'est. Ça enchaîne bien. Trixie. Oh, Spider-Man, non? Ouais, mais non. Ça passera pas. C'est Spider-Man, c'est Étoile. Étoile. J'ai plus son nom. Étoile d'un passe, non. Ça enchaîne sur Trixie. Louen. En fait, je comprends la différence. Barack Obama, tu vois, parce que tu sais. Le cerveau. Ça, et ça va très vite pour l'instant. Trixie qui passe. Christophe Maé. Christophe Maé. En régie, c'est beau ce qui se passe. Oh non. Florence Foresti. Oui, monsieur Trixie. Très bon. Hugo Décrypte. Bien sûr, le point validé. Il s'appelle Scarlett pas Décrypte. Hein. 25 secondes. Passe. Quentin Tarantino. Oh là là. Passe. Oh, Jules. Étoile qui est bon. Will Smith. Bien sûr, le point est validé. 10 secondes. J'ai plus. Ça passe. Ça revient à Trixie. Passe. Nagui. Bien sûr. Oh non, j'ai un trou de mort là-dessus, je peux pas. Oh passe. Non. Gad Elmaleh. Un dernier pour Trixie. Je l'ai pas. Azanavicius. Je suis nul avec Michel. Honnêtement, t'as eu des durs. Ouais, t'as pas eu de chance. C'est pas si facile. Michel Azanavicius. Non, mais dans le chat, ça dit trop dur. J'ai été coulante. Non, non. Le stress fait que c'est impossible. Je comprends totalement tes trucs. C'est dur, hein. C'est hyper dur. C'est vrai que c'est dur. Et peut-être, je sais pas, parce que c'est vrai qu'on a aussi, on se rend pas bien compte en live, mais un exploit de la régie. Je m'en rendais pas compte. La régie, elle a une goutte qui coule sur le front. Non, je suis avec le gars, je le félicite là-dessus parce que franchement, c'était pas simple. Mais tu peux pas t'en vouloir. J'ai été trop. Non, mais Trixie, même dans le chat, ça dit, elle a eu les pires. Non, mais c'était dur, honnêtement, c'est juste très aléatoire. Non, franchement, c'est chaud. Et même, t'en avais une qui était dure, t'as eu un Sébastien Loeb où on voyait quasiment pas son visage. C'est vrai que c'était un demi-Sébastien Loeb. Parfois, on a des quarts de Sébastien Loeb, on a des demi-Sébastien Loeb. C'est vrai que. Moi, je pense que j'avais pas l'entièreté de Sébastien Loeb et en vrai, tu peux rien y faire. Un demi-visage de Seb, forcément. Un angle mort, un angle mort. C'est mort, merde, putain. On avait un angle noble de Sébastien. En régie, comment on est? Bravo en tout cas. Bravo quand même. On est en train de recompter les points à la toute fin. On verra si on prend pas d'autres. Ok. Les mecs ont oublié. Les amis, parlez pas tous dans les micros. Désolé. Pas de galère. Aucun problème. Qui prend la main de votre côté? Allez, bah écoute, j'y vais. Ça a été dédié. De toute façon, je compte sur toi. Je pense que t'es une machine. Je peux lui souffler des trucs quand même. Bien sûr que non. Il faut pas le faire. Il n'y a pas de triche. Aucune. En régie, tout se passe bien. Super. Ok. Ils sont absolument prêts. 3, 2, 1, c'est parti, des nouveaux visages. Denzel Washington. Oh oui. Julie Lescaut. Tony Parker. Non, c'est fou, je l'aime, d'amour. Non, putain, Malik Bentala. Oh putain, la vache. Merde, bah Spider-Man aussi,
Hollande. Je passe. Excusez-moi. Oh là là, c'est fou, t'as raison, c'est horrible ce jeu. C'est dur. Attends, non, mais Joachim Phoenix. Oui, c'est bon. Bah, Mbappé. Le Chalamet. Passe, j'ai plus son nom. Dernier. Zidane. Oui, monsieur. Oh, la chanteuse, là. Exactement, c'est elle-même. Je passe, allez, hop. Ça l'aura pas, ça enchaîne. Niska. Jonathan Cohen, derrière. Philippe Boulan. passe. Emily Blunt. Ryan Mazzetti. C'est bon. Oh merde, repasse. Passe un dernier, peut-être, un dernier. Kenny Reeves. Et c'est validé. Oh, Michel Smith. Non mais en vrai, faut être méga calme. Wow, je me suis emballé tout de suite, oui, gars. Malik Bentala, pour que ce nom me revienne pas, c'est que d'un coup mon cerveau mais a buggé. Malik Bentala, on a perdu quoi 10 secondes 2-3 heures. C'est ma faute. J'étais nul à chier, pas de galère. Il y a eu des belles propositions, mais c'est vrai que sur le gong, Philippe Boulin, à un moment donné, je dis bon, il faut qu'il y ait quelque chose qui sort de la bouche. Peut-être, parce que c'est vrai que j'ai eu envie de le donner, le Julie Lescaut. Peut-être qu'on peut donner un petit Superman ou un Spider-Man là-bas aussi. Spider-Man aussi, est-ce qu'on a le droit de... Non. C'est bon, non, bah écoute, c'était un Spider-Man. C'était Véronique Jeunesse. C'était Véronique Jeunesse qui jouait dans Julie Lescaut. Et c'est fou, il y a Julie Lescaut qui a sorti. Bah parce qu'on la connaît. Attends que tu remontes ton petit micro juste là. Mike, dans la chebou. Redresse-le. Avale. Là, c'est bon. La régie demande. Vous m'entendez? Ah, maintenant, c'est chiant de le remettre. On va faire intervenir quelqu'un, on n'a plus le choix là. Non. Alors ça, non. Bougez pas, regardez. Je vais créer une petite poche. Il est tout, il est très bien. Ça, c'est beau. Deux blessés en régie. Ça s'est bien passé sur le stream. Un petit décompte dépense, s'il vous plaît, pour mettre à l'aise ma coéquipière. Hey, Trixie, honnêtement, les gens ne t'ont pas du tout jugé. En effet, on a embauché Pompon en tant qu'ingé son, ça c'est un autre sujet. Mais honnêtement, ça, t'as eu que des difficiles, le chat ne l'avait pas non plus. En termes de points, où est-ce qu'on en est à la fin de cette première manche? Est-ce qu'on peut remettre ça? Il y a une deuxième manche, c'est différent. Il y a même trois manches, on va le faire. C'est que de la nouveauté. C'est nouveau. Mais tu sais que le pire, tu n'as jamais joué à ça. Des fois, quand tu regardes ce jeu sur les rediffs popcorn et tout, tu dis mais je l'ai, c'est facile et tout. Mais en fait, quand t'es là, c'est pas simple. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Mon cerveau, il a bugué sur des trucs. Mais moi aussi. Un jeu de mémoire. Voilà, ça, Rayou, je t'ai quand même mis. Rayou, j'ai foutu partout. Là, le col roulé, il est plein de. Ouais, d'ailleurs, sur les 10 popcorn en main, il y en a deux qui sont arrivés en premier. Ah oui, il avait comme ça. Ah oui. Après, il y a un petit contre son corps inexplicable ici aussi. Parce que là, sans faire le mec, c'est le gars, il est là, ça a été nourri. Le gars, il est là, il a mangé son sticker de popcorn, il parle avec moi. Effectivement, il y a les trois quarts des popcorn qui sont par terre. Il y a du monde. Il y a du monde sous mes pieds, s'il vous plaît. Petite balayette. Voilà, une petite balayette. Voilà, ça dirait. Si tu veux, je t'en mets un peu ici. Absolument. Et c'est parti. Les gars, trombinoscope, c'est plutôt très simple. Il faut de la mémoire. D'accord. Je vais vous afficher 20 visages en face de vous. Vous allez avoir 20 secondes pour pouvoir les mémoriser. Ensuite, tour à tour, juste, ça va être légèrement technique lors de passage, ça va être Jiraya, puis Étoile, puis Jonathan, puis Trixie, puis Jiraya, pour qu'il y ait une team de chaque qui joue. Ça va se faire chier, tu peux le dire. Hein ? Ça n'a rien à voir. Mais concrètement, il faut retenir, il faut essayer de les avoir. Ça fonctionne du coup. Non, c'est même trombinoscope pour tout le monde et on va alterner d'équipe en équipe. Exactement. Est-ce qu'on se concerte ? Est-ce qu'il n'y a pas de concertation ? Il n'y a pas de concertation. D'accord, ok, pardon. Vous êtes des individus dans l'équipe. Dans l'équipe, ok. C'est bien. Et si, ouais, par exemple. J'aurais adoré qu'on soit une vraie team. C'est vrai qu'on s'est abusé dessus. Ouais, je me sens loin. Il y en a de lui, deux, si jamais le premier, ça le fait pas. Mais c'est l'un qui échoue. Il est éliminé de l'équipe et l'autre doit la porter solo. Exactement. Ok, sublime, j'adore. C'est tout à fait ça. Écoutez, je vous propose, c'est bon aussi là-bas. Oui, le trombinoscope, il y a beaucoup de visages. Eh ouais, en effet. C'est compliqué parce que différentes têtes, on est peut-être un peu loin de la télé, il faut se souvenir de tout. Bien évidemment, si jamais vous citez un nom qui a déjà été cité par votre partenaire ou même par un adversaire, c'est directement éliminé. 5 secondes. En plus, il y a une tête, je ne l'ai pas reconnue tout de suite, là, au milieu, sans vouloir vous déranger, bien évidemment. Et c'est déjà terminé, on va commencer par Jiraya. Ariana Grande. Jiraya, Ariana Grande. Ariana Grande, c'est validé. Étoile. Pharrell Williams. Pharrell Williams, c'est bon. Jonathan. Tu boudes ? Julia Roberts. Non, ça se concentre, c'est bon. Julia Roberts, c'est bon aussi. Trixie. Mona Lisa. Mona Lisa, elle est validée. Monsieur Jonathan Cohen. Jonathan Cohen, le bon point. Stromae. Stromae aussi. Patrick Bruel. Patrick Bruel. Oh putain, j'y ai cru. Il est au poker. Patrick Bruel, les gars. Patrick... il est dedans, pardon. Il est dedans. Ça m'a fait passer par toutes les émotions. Trixie. Justin Bieber. Justin Bieber, c'est bon aussi. Gigi.
Pas sûr, mais Nekfeu. Nekfeu qui est dedans, vous êtes très fort par contre, là il y a un gros niveau. J'ai plus rien. Étoile. Benzema. Benzema, Karim qui est là aussi. Kim Kardashian. Jonathan, Kim Kardashian. J'adore le premier. Ça y est, c'est bon aussi. Ah. Trixie. C'est celui-là que j'avais en tête. Trixie, peut-être la première éliminée. Désolé, Non. 4. Oh, j'ai. 3. J'en ai 2. 1. Éliminé ici. Gigi. Samuel Etienne. Samuel Etienne, c'est bon. Étoile. Clara Luciani. Clara Luciani. Jonathan. Meryl Streep. Meryl Streep, c'est tout bon. Étoile. Étoile en 1v2. Étoile en 1v2, on va devoir déclencher le chrono. Ouais. 5. 4. 4. Putain, l'autre. 3. 2. Ah, dommage. C'est terminé. Let's go. Vous pouvez, si vous en avez quelques-uns, vous pouvez choisir. Philippe Bouvard, Jérémy Ferrari, Stevie Wonder. Oh là là. Oh là là. Il n'y en avait aucun des trois. La légende. Mais en tout cas, quand même, ça. Plus, on prend cette manche. Il y a la mémoire, très bon. T'as, ils ont des mémoires photographiques qui sont primées. Tu crois que tu me fais penser à toi? J'ai imprimé. Tu m'as fait penser à toi, c'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur, Trixie. C'est quand on a en tête et que forcément qu'un adversaire le dit, ça peut être compliqué. On se refait la même avec des nouvelles têtes. À quoi? J'adore ce jeu. 20 secondes. En vrai, c'est ok. Merci. 3, 2, 1. Concentrez-vous. C'est parti. 20 nouvelles têtes. Et ouais, il faut pas penser à celle d'avant. Peut-être qu'on a fait des choses avec. Je peux me permettre de dire, je vois des gens en bas à gauche que Thomas Bangalter fait la musique, si je dis pas de bêtises, de Dali. Voilà, des petites infos qu'on vient glisser à droite, à gauche, ça fait toujours plaisir. Et il ne reste plus que 5 secondes. J'espère, comme d'habitude, que j'ai pas été trop dérangeant. Voilà, pendant ce temps de concentration absolue. Wow. Évidemment. Étoile en premier. Jean Rochefort. Jean Rochefort. Ninet. Ninet. Mylène Farmer. Mylène Farmer, Gigi. Danny Boone. Danny Boone qui est dedans. Drake. Drake. Renaud. Mais vous êtes hyper fort. Kylie Jenner. Trixie, Kylie Jenner. Elton John. Elton John, c'est bon aussi. Olivier Giroud. Olivier Giroud, c'est bon. Bruno Mars. Bruno Mars. Daft Punk. Thomas Pesquet. Oh, le level est incroyable ce soir. Oh là là, ils vont trop vite. Je l'ai... Elton John. Elton John, ça a déjà été dit. C'est pas fini. Jonathan. Il reste encore Trixie. Ah. Pas le droit à la triche. Attendez. 5. J'ai ma tête. 3. J'invente. 2. Ernest Hemingway. 1. Et oui, sur le gong. Oh, non, c'est pas ça. C'est éliminé. Trixie. Angelina Jolie, c'est bon. Ah merde. MC Solar, c'est bon aussi. Je l'ai vu. Trixie, est-ce qu'il t'en reste? Johnny Hallyday. C'est non. Mais ça, c'est mon gars, on l'a gagné. Gigi, t'as de quoi faire ou pas encore? Oui. Michel Simès. Oh non. Je vais chercher. Ça, malheureusement. C'est son premier. Malheureusement, ça ne fait pas. Bien joué, Angelina Jolie, je l'avais. Je l'avais pas du tout. C'est là qu'on voit que c'est un manque ce soir. Hein. Il a créé un vide quand même. Il y avait Edouard Baird hein, quand même dans. Oui, il y avait Edouard Baird. Bah non, on aurait pu le citer en le gardant. Je voulais pas le prendre. Mais en vrai, moi, tu vois, ça prouve à quel point on était bon. Ils sont trop forts. Ça, c'est quand même très fort. En termes de score, vous étiez devant. Désolé, Trixie. La première manche, qu'est-ce que ça donne avec les deux? Ça doit être un peu kiff-kiff. Les deux manches, les 20. C'était possible. Chaque bonne réponse à un point, c'est ça? 29-27, ouais, exactement. C'est pour ça que vous pourriez scorer un peu plus. Ah, bon, les amis, pour compléter c'est faisable. Ce petit rat star un peu ultimate, etc., on s'est dit qu'on allait faire un petit mélange. Vous êtes sûr des points? Il y a la barre là-bas. Okay. On est tout. Je crois que c'est validé. Les points sont validés. Les points sont validés. J'ai été obligé. Je me suis dit, à la base, on avait Edouard Baird et Jonathan Cohen. Je me suis dit, je suis obligé de sortir ce classique. Il y a un moment. Merde. Allez, montez-moi là. C'est parti. Bon. Je comprends pas. Bon, je préfère. C'est génial. On vous attache et on vous punch la gueule. Ok, bah. Cyril Gall m'a débarqué sur votre tête. D'accord. Un qui suis-je? Ni plus ni moins. Les amis, tenez, vous pouvez mettre. Ça va être génial avec cet écran, on voit tout. Qui suis-je pour les besoins de l'émission. Ah non. Ah bah oui, évidemment. Qui veut commencer alors? Ma première fois, je vous le rappelle. qui veut commencer à avoir le mot, la personne au-dessus de la tête? Je dois lui faire deviner? Fais-moi deviner. Je pense que c'est peut-être. Je pense que tu me fais deviner en premier ou? Ouais. Vas-y. Tu crois que c'est mieux l'inverse? Bah au début comme ça tu vois, mais je pense que t'as pu potentiellement déjà jouer. Oui, très bien. Chaque point, chaque manche, c'est 5 points. Ok. Qui commence à jouer chez vous? C'est moi. Je l'ai mis à l'envers. J'attends des dénouement. On nous accuse pas. C'est un mot. Je te repositionne. Un mot. C'est toi. Je mets du coup. Tu commences. Ok. Du coup, il commence. Vous avez. Du coup, en régie, on est bien sur 30. Nous, ça va vraiment prendre
Un quart de seconde. Un peu de calme, un peu de calme. Vous avez 45 secondes, d'accord? Jiraya, donc du coup, tu vas poser des questions. Tu ne peux répondre que par oui ou par non. Voilà, d'accord. C'est pas un mot. J'avais pas le jeu. Tu vois, j'étais sûr. On est potentiellement sur des personnalités fictives, pas fictives. On peut être sur des animaux. On peut être sur vraiment beaucoup de choses. C'est assez varié. D'accord. Gigi qui va commencer ou Étoile? Étoile, tout à l'heure, vous avez laissé la main. Est-ce que vous la prenez? Je pensais à leur tour de commencer. C'est à Gigi de commencer. T'es stratège, hein? Là, je me méfie. Là-dedans, il est très, très bon. Écoutez, Gigi, 45 secondes. Que oui ou non, c'est difficile, Jonathan. 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que je suis un homme? Oui. Est-ce que je suis un homme qui existe? Oui. Un personnage vivant? Oui. Vivant actuellement? Oui. Est-ce que j'ai plus de 20 ans? Oui. Est-ce que je suis acteur? Oui. Est-ce que je suis Jonathan Cohen? Non. Est-ce que je suis un acteur français? Oui. Est-ce que je suis Edouard Baird? Non. Est-ce que je suis un acteur français toujours en activité? Oui. Est-ce que j'ai plus de 30 ans? Oui. Est-ce que je fais du cinéma? Oui. Est-ce que je suis Jean Reno? Non. Non. Est-ce que j'ai joué est-ce que j'ai joué dans, je sais pas moi, dans Taxi? Non. 10 secondes. Est-ce que je chante aussi? Non. Non, est-ce que... Jean Reno, dommage. Putain, ouais, bah j'ai... Oh, est-ce que je suis Christian Clavier? Oh là 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 là. Once again! Il a dit Jean Reno, Thomas! Non, mais là, je cherchais depuis tout à l'heure! J'ai dit Jean Reno, j'ai dit dommage Jean Reno! Ouais, c'est vrai qu'il y a eu une petite aide! Jean Reno, dommage quand même! Il y a eu une petite aide, c'est vrai! Est-ce que ça t'est une anime? Triche! Attendez, je parle directement aux Twitchers. Les gars! Les Twitchers! C'est dur, vous voyez bien qu'il était loin du truc! Heureusement que j'ai dit Jean Reno, sinon il l'avait pas! Ouais, bon, ils sont d'accord avec moi. Ils vont reformuler les trucs. Validé, il y a eu un validé sur un certain nombre. Voilà, merci les gars. On a le droit à une approximation. On a le droit à une approximation. Il n'y a aucun problème. Et moi qui étais là en un quart de seconde, j'avais vraiment pas compris les règles. Rien en un mot. En un mot. Excusez-moi, la team turbulence. À l'autre. On est des vouvous. Vous êtes comme ça, là. Le double J. Mon cher Étoile. Ouais, j'allais dire le blaze sur sa tête. Heureusement, tout s'est bien passé. Trixie, tout est bon, oui ou non? Il y aura le droit à une petite triche, voilà. Non, mais non, mais hey, wow, il n'y a aucun problème. C'est du show. 3, c'est du plaisir. 2, 1, c'est parti. Personnage fictif? Non. Personnage réel? Oui. Femme? Oui. Actrice? Non. Chanteuse? Non. Présentatrice? Oui. Présentatrice télé? Oui. Est-ce que j'ai fait 7 à vous? Non. Est-ce que j'ai plus de 30 ans? Oui. Est-ce que j'ai présenté le 20h? Oui. Evelyne Delia? Non. Claire Chazal? Oui. Oh là là, voilà. La démonstration, okay. Il a été moins bon de trop fort. Bien joué. Pas de super. Là, honnêtement, c'est très solide. Je veux avoir son adresse, son numéro de téléphone. Là, honnêtement, c'est incroyable, bravo. Et toi, putain. Je te promets que je t'ai trouvé monstrueux. Parce que les présentateurs, les présentatrices, c'est parti tout de suite sur la bonne piste. Ouais. Par contre, je savais pas qu'Evelyne Delia avait présenté le 20h, mais après, je prends en vélo. Elle a fait une tête quand j'ai dit plus de 30 ans. Elle a fait vraiment une tête de wow, plus de 30 ans. Je voulais qu'ils disent. Eh ben, pour moi, c'est limite de la triche. Voilà. Mais j'ai récupéré mon point. Bravo, mais pour moi, c'est quasiment triché, on dirait. Ok, j'ai un peu triché, oui. Vas-y. Sublime, t'as été super. Putain. Hop, juste ici. Voir. Un mot. Un seul. Moi, tu peux enlever Trixie. J'espère que c'est quelqu'un que je connais. Hop, non, j'ai vu le cerf. Oula. On est normalement parti, donc vous avez compris. C'est de la triche. Ah, ça commence déjà à tricher ici. Oui. Non, il dit. Non, mais il me regarde et il me dit très sérieusement. Putain, j'ai vu son mot. J'ai dit, mais putain. Tu peux voir son mot. Jusque-là. J'ai l'impression de tricher. Jusque-là, c'est autorisé. Est-ce que le mot pour Trixie te semble bien ou on peut demander un changement? Moi, je trouve qu'il est très bien. Okay. T'aimes bien mon mot? T'es sûr qu'elles connaissent, etc. Parce que dans le chat, ça pouvait te poser la question. Moi, je pense. Est-ce que je peux voir l'autre pour choisir? Tiens, regarde. Ah non, pas du tout. Parlez pas de moi. Une clim. C'est beaucoup plus dur, ça. C'est beaucoup. Non, on en dira pas. Mais du coup, si je trouve pas. Non, mais hé, wow. Ok, c'est pour ma pression. T'inquiète. Il n'y a pas d'embrouillage. Super ton mot. En deux. On va commencer là-bas. Vous avez 45 secondes. Faut remettre au goût du jour pyramide, je vous en supplie. En deux, en trois. Ouais, c'est du mot de passe, quoi. Ça régale. C'est vrai que mot de passe, c'est. On va t'inviter, t'inquiète. Je suis chaud. Il y a du fun, hein. Ouais, je suis bouillant, pas tout ce qui est pyramide. On commence de l'autre côté. Trixie, 45 secondes. S'il y a des moments où tu sens un peu bloqué, faut pas hésiter à dézoomer, etc., poser des questions. Là, c'est quand même une très grosse manche. C'est rare que ça soit aussi rapide. Bah, okay. Un peu popcorn. Pour pimenter un seul. Je le ferai pas. 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que je suis réel? Oui. Est-ce que je suis un homme? Oui. Est-ce que je suis un acteur? Non. Est-ce que je suis un chanteur? Non. Est-ce que je suis un comédien? Non.
Est-ce que je fais du stand-up ? Non. Est-ce que je suis humoriste ? Non. Est-ce que je suis un artiste ? Non. Est-ce que je suis connue en France ? Oui. Est-ce que je fais de la radio ? Oui. Oui ? Non. Est-ce que je suis déjà passée à la télé ? Oui. Est-ce que je fais une émission télé ? Oui. Jean-Luc Reichmann ? Non. Est-ce que je suis sur la une ? Franchement ? Non. La 2 ? Oui, non. Est-ce que je présente une émission d'argent ? Non. Est-ce que je présente une émission de déco ? Non. C'est dur. Est-ce que je vends des appartements et des... Non. Time. Mais honnêtement, c'est pas facile, mais tu peux pas... On passe une demi-heure sur un mot. Tu tournes autour de l'univers. Ah ouais. Là, honnêtement... C'est pas évident. On lui dit... Parce que parce qu'on arrête là. On arrête là, on l'a gagné. T'es encore un petit temps, toi. C'est en 12 manches, mon pote. Ça dit que ça s'éclate, on va voir jusqu'où ça s'éclate. Tu vois que les deux mots, là, soit celui-là, soit l'autre, sont beaucoup plus durs. 45 secondes. Mais c'est quoi, j'ai des trucs durs. 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que je suis un homme ? Oui. Ok, est-ce que je suis un homme connu ? Oui. Français ? Oui. Ok, est-ce que je suis chanteur ? Non. Est-ce que je suis acteur ? Oui. Acteur. Est-ce que je suis jeune ? Non. Est-ce que je suis vieux ? Oui. Ok. Ok, est-ce que je joue dans des comédies ou des drames ? Je joue dans des comédies ? Oui. Ok. Je joue comédie, acteur. Pierre Richard ? Non. Est-ce que je suis cette génération-là ? Oui. Jean Rochefort ? Non. Est-ce que je suis vivant ? Non. Ah, je suis mort. Jean-Pierre Marielle ? Non. Est-ce que c'est cette bande-là ou pas ? Peut-être. Ok. Jean-Paul Belmondo ? Ah, non. Jean Lefebvre ? Non. Ok. Et j'ai tourné dans... C'est quelle époque ? Pardon, oui. Années 70 ? Oui. Oui, 80 ? Plus. C'est terminé. Je peux pas. Je dois dire oui non, donc c'est très dur. Celui qui est... Mais t'es pas mal. T'as scopé, t'es pas loin et je vois cet œil. Ça c'est l'œil de la victoire. Ça c'est un œil très vif. Il le tente. On a là-bas. Justement, on est parti. Alors est-ce que je nage dans le 3, dès 2, on n'a pas peur. 1, c'est parti Trixie. Est-ce que je suis présentateur télé ? Oui. De notre génération ? Oui. Actuel ? Oui. Oh, je regarde pas la télé, je suis dans la merde. Je regarde zéro. Des questions sur le type de est-ce que je peux le droit, t'as le droit. Sur le type de l'émission. Ok, est-ce que c'est une émission sur la musique ? Non. Sur tu peux le faire. L'actualité ? Non. Sur le... J'en sais rien. La déco, tu m'as dit non. Sur quoi il peut y avoir des émissions ? Télé-réalité ? Non. Elle est pas simple en plus. Non, en fait, les deux qu'on avait étaient trop durs. 15 secondes. Arrêtez. J'arrête. Non, tu peux l'avoir, tu peux l'avoir. Ok, je continue, c'est bon. 10 secondes. Quand tu regardes mes contenus... C'est la cam d'étoile. C'est un truc que je... C'est l'ambiance d'étoile, ça pourrait être étoile, ce mec. Ça oui. L'étienne L'autre qui commence par un aussi un S. Bon, bah ça... Oh, les aiguilles. C'est une sauce. C'est un drapeau, Comme un drapeau qui tombe. Stéphane, l'acteur. Capitale de la Suisse. Bravo, Louis XVI. Secret d'histoire. Le château de Versailles. Vive le patrimoine, le patrimoine. Elle s'est loupée sur Stéphane Bern. Bienvenue dans Saga, Saga, mais il était trop dur à aller chercher. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait peut-être le changer au début. Mais tu le connaissais ou pas, Stéphane Bern ? Non. De nom, quoi. Après, je pense que Skita ne regarde pas la télé du tout. L'autre truc, c'était Princesse Diana. Ouais, on avait deux trucs. Oh, mais ça, je l'aurais plus facilement trouvé. Princesse Diana. J'avais une princesse Diana derrière. Est-ce que tu vas aller deviner ton mot ? Ah, bah bien sûr, attends. Là, j'ai senti. Ma faute. 45 secondes. Souviens-toi tout ce que tu m'as dit. Je suis en plein dedans. Bah, c'est magnifique. On peut y aller quand vous voulez. 3, 2, 1, c'est parti. Witness. Putain, j'ai. Oh là là. Voilà. Vous nous jurez qu'il n'y a pas eu de triche ? Je te jure sur ma vie qu'il n'y a pas eu de triche. Sur la tête de ma fille, il n'y a pas eu de triche. Voilà, c'est dit. Honnêtement. C'est dit. Mais il n'y a pas eu de triche. Non, il m'a sauté en bouche quand j'ai dit Galabru. Il y a un truc. Félicitations, en tout cas, malgré ça. Égalité. Malgré ça, j'ai envie de dire égalité sur cette manche, mais au global, c'est quand même une victoire de la part de. Quoi, c'est fini, il n'y a pas de 3ème manche. De Trixie et Étoile. Pardon ? Il n'y a pas de 3ème manche. Tu veux une 3ème manche ? Mais évidemment. Moi, on me dit que tu dois partir, moi. Donc. Attendez. Je ne pars pas. Tant qu'on n'a pas gagné, on a une chance de gagner. Je ne vais pas partir maintenant. Voilà, merci. Parce que. Le reste. Et tu sais, tout le temps. Il a pris en otage l'émission. Oui.
Il y a plein de gens sur Twitch qui veulent que je reste. on me dit dans l'oreillette qu'il reste. Il reste, on attend qu'il reste. Troisième manche. Qui, vous voulez que qui devine? Est-ce que je peux avoir super. Devine. Devine. Ah, on peut choisir là. Ouais, par contre, il me faut un nouveau mot parce que du coup, bah, Princesse Diana a été cramée dans On te donne un stylo. C'est exactement ce qui va se passer. Si on peut m'en ramener une rapidement, audacieux. C'est audacieux, mais on est là pour jouer. Je pense que c'est... Et il se met en retard volontairement ce soir. T'es plus fort que moi, mes yeux... Mais ce sera encore plus beau si on arrive à aller chercher la victoire comme ça. C'est ça qu'il faut se dire. Il faudrait que je voie le mot quand même. Voilà. Je disais que je pense... Je pense qu'on peut aller sur deux mots sans faire le mec. En fait, tout à l'heure, Trixie pensait que j'allais lui faire deviner Vincent Lagaffe. Pourquoi? Allez, on envoie un nouveau mot. On enchaîne. On enchaîne. Mais il s'est enfermé dedans. Il s'est enfermé dans un personnage. Étoile, moi, ça me l'a déjà fait, je comprends. Ça me fait chier parce que là, on va. Non, mais c'était. Je t'avais dit, on demande, c'était gagné. Là. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il reste? On sait pas s'il reste. On sait pas s'il reste après ça. Appelez-moi un taxi. Appelez-moi un G7. Mais Étoile, c'est fou. Excuse-moi, je suis fatigué. Je suis levé à 18h30. Ça arrive, et oui. Ça, je comprends. Il fait des petites nuits. Ça arrive. Sinon, envoyez-moi un stylo, n'hésitez pas. Sinon, la raison. Un stylo, les gars, on en est là. On veut un stylo, on veut jouer. Là, on est en train de se déchauffer. Oh là là, Antoine est de retour. Ok, surtout pas. Pas des mains. Oh, et si jamais il y a problème, sachez que j'ai déjà un marqueur. Non, on y perd au change. On y perd au change. Ah non, merde. Là, c'est en combien de mots, là? Ah, ça se dit pas. Ça, c'est le genre de choses, ça ne se dit pas. On y perd beaucoup. C'est tout ce que j'ai j'espère à dire. Que vous êtes content. J'espère. Je pense que là, on s'est fait saboter. C'est en un mot, ça. Oh là là. J'ai une question, Jonathan. Est-ce que tu prends la main ou tu laisses la main? Non, je la prends. Il prend la main. Si je la laisse, il gagne. Prends-moi cette main. 45 secondes. Peut-être que ça va jouer à la rapidité, à la vitesse. Vous avez compris le jeu? Jonathan, pardon, est-ce que tu joues micro sur toi ou micro posé? Micro sur toi. Micro sur moi, évidemment, à l'ancienne. C'est un open mic. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que je suis un homme? Oui. Est-ce que je suis un homme qui est vivant? Non. Est-ce que je suis un personnage de fiction? Oui. Oh, d'accord. Est-ce que je suis un dessin animé? Oui. Ok, je suis japonais? Non. Je suis français? Non. Oh, je suis américain? Oui. D'accord. Est-ce que je suis de cette époque-là, dessin animé de cette époque-là? Oui. Mais c'est-à-dire que ça a été fait à une autre époque et on peut le voir encore aujourd'hui? Oui. D'accord. Est-ce que je suis musclor? Non. Est-ce que je suis les monstres plantes? Non, est-ce que c'est un truc pour les enfants-enfants? Oui. Enfants-enfants? Oui. Peppa Pig? Non. Pas de patrouille? Non. J'ai eu un enfant. J'aime beaucoup. Est-ce que c'est enfant bébé? Non. C'est enfant plutôt moyen. Ça fait rêver, il fait rêver le héros. Oui. Ok. Oui. Oui. Il fait rêver, d'accord. C'est terminé, c'est trop dur. Oui, mais t'es pas loin. T'es pas loin, et en face, c'est peut-être difficile. Bah, ouais, pas mal. 3, on verra, 2, 1, c'est parti. Est-ce que l'étoile peut finir? Oui. Acteur? Non. Chanteur? Non. Présentateur? Non. Sportif? Non. Fiction? Oui. Personnage de dessin animé? Oui. Dessin animé quand t'étais tout petit? Oui. Est-ce que lorsqu'on pense au dessin animé, on pense à ce personnage-là directement? Est-ce que c'est une théorie? Est-ce que c'est Mickey? Non. Est-ce que c'est une souris? Non. C'est un dragon? Non. Un chien? Va chercher. Non. Est-ce que c'est un animé? Non. Est-ce que toi, tu le regardais quand t'étais petite? Oui. Est-ce que tu peux le regarder encore maintenant et considérer que c'est bien? Ah oui. Est-ce que c'est un personnage principal de oui. son... Est-ce que c'était dans les années 90? Oui. Années 90-2000. Oui. C'est time. Trixie, c'est dur. Ouais. Trixie, c'est dur parce qu'en vrai, elle peut pas dire non à des trucs où elle dit oui. Mais t'es un peu dans la même situation. C'est la même situation ici. T'es zoom. 45. Tu m'as envoyé 2 6000, mon frère. Ici, c'est une dingue. Tu vas voir tous les 6000 qui appartiennent. C'est pas mal. Là, on est sur. Je pense que là, on a un deuxième round. Ok, les gars, j'en fous un peu là, ça porte bonheur. Allez, c'est parti. Deuxième round. 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que c'est un Disney? Oui. Ok. Est-ce que c'est est-ce que c'est Hercule? Non. Ok. Bon, je suis vraiment le roi lion. Non. Est-ce que c'est un homme dedans ou un animal? Est-ce que c'est un homme? Non. Est-ce que c'est un animal? Oui. D'accord. Est-ce que c'est Mickey? Non. Non. Est-ce que c'est plus récent que ça? Oui, d'accord, ok. Donc, c'est pas le roi lion, c'est quoi, putain, les animaux?
Il y en a plein des animaux. Est-ce qu'ils volent? Non, ils marchent à quatre pattes, évidemment, comme tous les animaux. Ah, même pas à deux pattes. Oui. C'est Pumba. Non, oh, c'est non, il marche à quatre pattes, Pumba. On est des fois à deux. Est-ce que quoi, quoi? Il peut fumer. Il fume des clopes? Non. Parce qu'il peut fumer des clopes? Ouais. Et c'est un animal qui fume des clopes? Une proposition, non, peut-être? Ah, chapeauté? Non, c'est pas le chapeauté. C'est pas le chapeauté, c'est Time, pourquoi c'est Time. Pourquoi il m'a dit que je suis fumé des clopes? Oui, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'avais envie. Oh là 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 là, vous êtes si près, vous on êtes est si près, on n'a pas si loin. Ah, mais c'est vrai, le chapeauté, je le vois bien fumer des clopes. Ah bah ouais. Mais grave. Ah, toujours. Oui, il a ouvert un bar tabac, on t'a fumé un PMU. Il a arrêté entre temps. Là-bas, ça peut le trouver, ils ont mis 45 secondes, ils l'ont toujours pas. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, t'as hésité quand on a dit 90, on va dire on en parle encore récemment dans l'actualité. C'est sorti récemment. Vous fumez? Non. Est-ce que je peux trouver l'animal que c'est? Non. Ok, c'est un. Du coup, c'est pas un animal. Non. C'est un personnage humain. Enfin, oui. C'est... Ok. Tintin. Non. Est-ce que ça a été adapté en bande dessinée? Oui. Est-ce que c'est Is No Good? Non. Est-ce que c'est Astérix? Obélix? Oui. C'est Obélix. Oh, bien joué. C'est t'as trouvé. Été chaud. C'est trop. Oh là là. Il veut pas. Donald Duck. J'attendais que ça que t'aies sur la BD. Il fumait pas des clopes. Mais non, mais c'était pas ce que je voulais dire. Tu me demandes s'il est à quatre pattes ou pas. Je t'ai dit, il y a deux pattes, c'est la posture d'un homme. Donc il aurait pu potentiellement fumer une clope. Non, mais je peux voir. Tu m'as poussé. Franchement, tu m'as mis dans la. Dans le tunnel des clopes. Dans le tunnel des clopes. J'ai fumé des clopes. Un animal qui j'ai fumé des clopes. Fumé des clopes. En même temps, c'est pas ça, mais ça doit être pas loin. Oui, mais à partir du moment où Pumba a deux pattes. Quand t'as eu Mickey, on s'est dit peut-être que. Mais oui, j'ai cru au clope. J'ai cru. Non, mais en tout cas. Le Pumba deux pattes. J'ai vu ton. Je l'imaginais comme as, le gars. J'ai vu ton regard désespéré quand t'as entendu Mickey, t'as fait. Oui, bien sûr. Mais c'était comme En tout cas, bravo à cette team, mais c'est pas vous qui gagnez puisque c'est la team Trixie et Étoile. Félicitations. Bravo. Franchement, bravo. Bravo, bravo, rien à dire. Trixie et Étoile, franchement, un duo. Non, non, honnêtement, vous avez été. On a été très, très bons. Je regrette pas vraiment. Tu fumes des cigares. C'est vrai. Dans la famille, voilà. C'est vrai qu'il y avait Picsou, tu vois, ça aurait pu mettre une idée. Picsou, fumeur, tac-tac, papa. C'est vrai, c'est vrai. Il fume des clopes, Picsou? Picsou, non, ouais. Non, Picsou, il se roule des joints aussi dans la cinéma. Non, mais attends, c'était subversif, hein, à l'époque. À l'époque. Mais on lance le débat, c'est attention, non, non, on peut n'importe parler quoi. De cette période un peu. En tout cas, bravo, merci. Bravo. Merci, Jonathan, d'être passé. Mais de rien, merci à vous, franchement, je me suis éclaté, c'était trop bien.